C'est pratiquement la fin. Oui, l'icône, Manu. Oui, par rapport... Bien. Voilà, on nous accorde une rallonge de 2 minutes. Allez-y. Je voulais dire, par rapport justement à cette... cette manif, j'ai parlé de vraiment de tensions qui montent. Oui, c'est un mélange, c'est un cocktail, évidemment. Explosif. Qui est explosif, parce que ça rappelle un peu le triste drame de 2009. C'était la même, ça ressemble un peu à la même coalition, peut-être absente de Jean-Marie Doré et Baouri. Baouri qui a décidé de changer de logiciel pour le reprendre au mot. Mais c'est quand même, ça reste un cocktail assez explosif. Ouais. Pour ce qui est du cas Alpha Condé, moi j'ai envie quand même de dire rapidement que pour Alpha Condé, pour qui connaît l'homme, tout le monde sait que c'est quelqu'un qui ne s'avoue jamais vaincu. Ouais. Et que justement, ce qui a caractérisé l'homme, mais aussi son parti politique, c'est l'adversité. Entretenir toujours ce rapport de force. Le RPG est né et il a grandi dans la résistance. Alpha Condé, il ne connaît que la résistance. Et ça m'étonnerait qu'un homme comme lui accepte de partir de cette manière-là. Évidemment, 40 années de lutte politique. Ensuite, il est élu premier considéré président. Premier président démocratiquement élu, il n'accepterait jamais de partir, sortir par la petite porte. Ouais. Donc on peut comprendre aujourd'hui qu'il tente par tous les moyens d'essayer de se remettre en scène, de reprendre le leadership de la classe politique pour évidemment faire tomber ceux qui l'ont fait tomber. Sauf que j'ai eu quand même à le dire à un moment, Alpha Condé en 1991, en 93 ou même Alpha Condé en 2000, ce n'est pas Alpha Condé forcément en 2023. En 2023, ouais. Il y a des choses qui ont évolué. De l'eau a coulé sous le pont. Estimer aujourd'hui que forcément la Haute-Guinée par exemple, son fief, est construite forcément autour de lui, ça voudra dire qu'un Ousmane Kaba ne fait rien. Un Sia Kabari ne fait rien, un Lansana Kouyaté ne fait rien. Ne pèse pas du tout lourd. Ce qui n'est pas faux. Tous ces gens-là qui n'est pas faux. Non, attention. Ne pèse pas du tout lourd. Attention, je vous assure. Au côté d'Alpha Condé, personne. Non, au côté d'Alpha Condé, personne ne pèse lourd. Bien. Personne ne pèse lourd. Merci, au côté Manu. D'Alpha Condé. Merci. Mais quand vous allez sur le plan. Vous êtes enfin illuminé, monsieur. Électoral. Merci. Non, sur le plan politique, Alpha Condé, c'est l'éléphant politique guinéen. Bien. Même si Loudalé ne pèse pas trop à côté. Mais. Vous allez dans les urnes aujourd'hui, malheureusement, Alpha Condé n'a pas le même poids qu'il avait avant. Merci. Et ça, il faut le reconnaître. Il n'a pour pas vous, la, c'est une évidence. Il n'a pas la même force de frappe. Bien. L'âge est à côté. Je pense merci. Que ça, c'est pas bon. Merci. Et déjà, l'antenne FNDC, l'antenne plutôt Force Vive de Guinée, de la Belgique, qui appelle à la mobilisation, à une grande manifestation le samedi 11 mars à la place Luxembourg, donc de 14h à 17h, un communiqué vient d'être produit à cet effet. Ça veut dire que y a l'appel à manifester au plan national pour le 9 et le 11 déjà, et pour tout l'espace Benelux, y a une manifestation, une grande manifestation qui est prévue à la place de Luxembourg à l'appel de l'antenne Force Vive de Guinée de Belgique. C'est dans la logique des choses, puisque les forces vives aujourd'hui constituées vont entamer des manifestations un peu partout à Conakry comme à l'étranger, notamment pour dénoncer la gestion de la transition. Mais l'autre chose, Aboubacar, c'est justement le rôle de ces facilitatrices aujourd'hui. Est-ce que nos braves dames doivent continuer ou pas? Moi, je pense que leur mission est arrivée à terme, parce qu'en réalité, oui, mais sur le terrain, mais est-ce qu'elles ont réussi le travail qu'elles sont en train de faire? Je ne crois pas du tout. C'est une question. C'est une très bonne question que vous posez, et sous laquelle d'ailleurs on va revenir demain dans cette même émission Mirador. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Grand merci à vous tous qui nous avez accordé votre attention un peu partout aux quatre coins de la planète. Merci de l'attention. Merci également de la fidélité. Ibrahim Babin Diallo, Ibrahim Assila, c'est une histoire d'Ibrahim. On réalise cette émission. On se reprend demain quand il sera 8h. Restez sur Film FM. Derrière nous, l'émission Guit Indiré avec Mohamed Ba. Portez-vous, au revoir.